Bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir Maître Gadgat, bonsoir Simus 35, et bonsoir Bongbar, qui que tu sois. On va remercier Kozuki qui nous a follow il y a 3 jours. Il nous follow en plein week-end, on fait pas de stream, donc on remercie quand on est là. Bon. Du coup, ce soir, pour le moment, on est que deux. Il y a Norse qui nous a abandonné lâchement. C'est suite à des indisponibilités chez lui. Mais c'est pas grave. On a bien affaire sur le code de toute façon. Lâchement, non, bah, quand même un peu. Hein. Tu nous as prévenu quoi 20 minutes avant? Ah non, pardon, 4 minutes. Hein. Quand même. La diligence de prévenir 4 minutes avant, quoi, faut pas déconner. Je sais pas si le son est bon, j'espère qu'on nous entend bien. J'ai pas de retour donc. Faut pas bosser hors stream, on a dit Norse. C'est pas bien, c'est le mal. Et bah cool, on va pouvoir lancer comme ça. Si le son est trop fort de la musique, vous le dites. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on est là pour ça. Du coup, pour récapituler, la dernière fois on avait commencé à travailler sur les boutons qui doivent traîner quelque part dans les multiples onglets qui sont là. Ils sont ici. Donc on avait commencé par le composant et le descriptor. Et on en était arrivé à quelque chose qui compile et qui se lance, mais c'est tout, je crois. C'est ça, il n'y a pas trop, il manquait tous les compartiments dedans du coup après. Je crois, le chargement MDF et puis pouvoir brancher la callback. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, donc le contrôleur au final de. C'est ça, du le bouton, il me semble. Alors, je sais pas ce que tu veux faire en premier. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a deux chantiers à faire, c'est le contrôleur et le loading MDF. Sachant que bah, si on a un contrôleur mais qu'on peut pas loader les boutons, ça nous arrange pas plus que si on arrive à les loader mais qu'on n'a pas de contrôleur, qu'on est un peu niqué. Ouais, on va essayer, je pense, de les loader en MDF d'abord, peut-être. Parce que sinon, le contrôleur, on pourra jamais l'utiliser, c'est un peu niqué de base, quoi. Sachant que normalement c'est pas la mer à boire pour le loading maintenant. Je sais plus dans quel fichier j'avais fait ça. Source, UI, data loader, ouais, ça doit être là-dedans. Un switch dégueulasse à un endroit normalement, non? Ah non, on avait fait une paire de. Oui, exact. Ce qui est tout de même plus élégant. Ça revient au même en vrai. Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que plus ça va et plus si on a beaucoup d'objets à loader ici, ça va faire des longs tableaux avec un long for each. C'est plus mieux pour rajouter des types ou un truc qui va se scale. Ouais. Après, faut pas que la liste elle devienne trop longue parce que après, sinon le for each il va piquer au bout d'un moment. Mais du coup, l'avantage c'est que ici on est juste à rajouter le button component. Oui, c'est grave. Button. Et voilà, ça marche. Tout bizarre, tu passes en HMAP quoi. Ouais, c'est ça, parce que là ça a été fait un peu. Mais pour que ça soit rentable, là, tu vois, je crois que c'est plusieurs dizaines de types. Plusieurs dizaines? Ouais. Avant qu'une HPAF soit plus rentable qu'un vecteur de paire. Ouais. Une centaine quoi. Une centaine de trucs quoi. Ce qui va pas forcément être notre cas, enfin, faut voir comment ça. Ça escalade. Je pense que dans le chargement, je pense pas que ça soit ça qui te coûte le plus.
Non, bah de toute façon, il y a des fichiers à ouvrir et tout ça. Tant qu'on aura du chargement de fichiers, je pense que le petit for each sur 50 éléments, il va pas être décisif, quoi. Ah, donc le texte. MDF, c'est la représentation de ce qu'il y a dans le texte, hein, c'est ça? Un object MDF, c'est un. Oui, en gros, c'est la représentation de tes données, mais pour un objet qui est de type associatif, une map. Ouais. Pour une map. Jupiter de. A priori, base widget component. Compte descriptor. Faut vraiment que je fasse une refacto là-dessus, parce que ça va vite me saouler, je crois. Ce qui est bien, c'est que je crois, vu qu'on les utilise que dans ce fichier-là, on n'a même pas de header à déclarer. Donc, qu'est-ce qu'on a comme paramètre là, par contre? Je vais le décaler à côté du. Je pense que tu vas voir les différents widgets encore. Il n'y a que ça en fait, il n'y a que les 4 widgets. Ce qui en somme est tout à fait pratique. Parce que du coup tu peux pouvoir faire une boucle si ça se trouve. Une boucle sur quoi? Sur les widgets. Ouais, mais vu que c'est 4 properties différentes. Oh, tu veux les charger pareil? Ouais, je sais pas. Oui. J'ai rien. En fait, j'ai pas le choix parce que j'ai forcément des names différents et. Faut que je vois d'ailleurs si je suis tolérant sur l'absence de l'un ou de l'autre. Parce que là actuellement je le suis pas du tout. Ouais. Mais en somme, c'est pas forcément très grave si actuellement on n'est pas tolérant dessus. Parce que... Moi ça me paraît pas. Déconnant de pas être tolérant dessus dans le code, parce qu'après dans le data tu peux définir un truc vide, voilà, et tu le références quand t'en as pas besoin. J'avoue, il y a les bases widget descriptors, ils ont un truc, ils sont capables d'être vides ou pas? Est-ce que je les ai quelque part? Base widget descriptor. Ouais, on avait fait un demi qui était vide. Surtout il a une vecteur de component, donc il suffit de mettre un vecteur vide. Tu mets taille 0, position 0, et puis un nombre. Bah, il y a le constructeur demi qu'on avait dû faire parce que. Ah, oui. Mais non, je pensais vite côté data, quoi. Dans le MDF. Ouais, du coup, au final, c'est un peu ça. Hein. Parce que pour le coup, ouais, lui, il a pas de nom, il a pas de position, il a pas de size, il a pas de component. C'est vrai qu'après, sinon je peux utiliser un constructeur réel et juste lui donner des fake names, quoi. Enfin, ouais. Des fake value, quoi. Parce que c'est vrai que ça pourrait peut être utile de savoir que c'est un faux, quand même. Du coup, on a idle widget. Donc, ici c'est. Ça dépend de ce que tu veux comme comportement. Tu vois. Si tu veux que. Quand c'est un faux, il faut le back sur le. Idle, par exemple. Quand t'as pas de hover, bah, quand t'as le comportement hover, tu fais le back sur idle. C'est le truc. Mais pareil, tu peux le virer à côté data aussi, ça. C'est vrai que je pourrais directement le mettre là dans le loading si on a un qui est pas là, c'est l'idle. Et puis. Par contre, s'il y a pas d'idle, là ça pète parce que je vois pas comment tu peux faire un bouton sans idle. Là pour le coup, on peut pas être tolérant dessus. L'idle. Le deuxième c'était quoi? C'était selected, pressed.
c'est disable normalement. Parce que typiquement je me suis posé la question sur le disable en fait, parce que c'est vrai qu'il y, y a des cas où bah, un bouton ne peut pas être désactivé, donc oui. Tu t'en fous un peu d'avoir cette fonctionnalité là. Mais... Donc en vrai de vrai, le seul qui serait vraiment nécessaire, c'est l'idle. Même si le bah, si t'as pas de prest, ça va être bizarre. Ça va être bizarre, mais bon. C'est un peu ton problème si t'as pas envie de faire le feedback, le prest. Oui. Donc. Si le button object n'a pas de... du coup. Merci pour le réseau Gadget. Le monsieur est attentionné pour le chat, c'est incroyable. RHS de item is def kind. C'est object du coup hein, c'est ça. Parce qu'apparemment du coup par contre le widget descriptor là c'est ce que du coup quand tu mets rien au unique PTR il te fait pas de pointeur en fait. Il te met un nul dedans. Comment ça quand tu mets si tu mets pas le type. Bah là typiquement tu vois genre on lui envoie rien du tout en fait en argument. Tu n'as pas d'argument ouais. Pas de conneries, lui il a pas de constructeur par défaut. Ah mais attends, ça c'est le base widget, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Du coup ça voudrait dire que base widget component, base widget component descriptor, lui il aurait un, mais il a rien, ah, d'accord, du coup il peut être construit en default. Du coup, c'est ce qu'il fait, là j'imagine, dans ce cas-là. Oui, c'est ça. J'étais là, mais c'est ça. Il construit en default et puis on voit ça. C'est ça. On peut pas lui envoyer nul unique PTR. On peut pas forcer la valeur nulle. Tu peux dire que tu peux faire un return nul PTR, mais je pense que tu vas pas être content si tu fais ça. Ouais, je suis pas sûr que ce soit pas. Ça dépend de comment ton code est fait après derrière. J'ai une question, peut-être que j'ai pas vu sur Discord, il va ressembler à quoi le jeu? Y a-t-il une démo ou des images du jeu que vous faites? Alors, une démo, non, mais soon TM, promis, d'ici 6 à 1 an, 6 mois à 1 an plutôt. Des images du jeu, bah non plus concrètement, parce que, bah déjà parce qu'on n'a pas d'artiste, donc on sait pas que... On n'a pas de DA, on va dire. On a des inspirations de DA qu'on n'a pas encore révélées en stream parce qu'il faudrait qu'on ait un stream dédié à ça. Mais pour ça, il faut du coup une quantité assez suffisante, on va dire. Du coup, tu veux avoir du délai. Au niveau graphique, je crois qu'il y a juste. Il y a Norse qui avait fait un peu des mock-up vite fait de la tête des écrans. Ouais, vite fait sur un stream précédent, il y avait eu des mock-up pour un peu donner le. Mais ça donne ouais, plus une plus, idée de l'organisation que de ouais. L'aspect graphique. Parce que... C'est ça. Mais je crois pas qu'il y ait d'autres. Plus de ressources que ça. Norse pourra répondre peut-être s'il est dans le coin. Du coup pour revenir au code ça m'intrigue ouais, que tu renvoies pas nul PTR en fait quand ça marche pas, quand t'arrives pas à charger.
Mais tu vois, c'est pour ça que je me disais, mais c'est bizarre, en fait, là je fail, du coup je devrais renvoyer nul en fait, et Ouais. pas un T'en fais objet. quoi après de cette fonction? Enfin, de l'appel à cette fonction. Je pourrais vous aider côté graphique si vous voulez. Bah, ma foi, on est très friand d'assistance quelconque qui soit. Le problème se pose sur le fait que bah, actuellement on n'a aucune ressource en fait. Donc on n'a pas de moyens pour payer les gens et tout ça, et qu'on n'a pas envie de faire bosser les gens gratuitement, en fait. Aussi simple que ça. Ça nous intéresse pas parce que ça véhicule un peu une mauvaise image et une mauvaise pratique de l'industrie qui est assez récurrente en fait. N'est-ce pas, monsieur Gadget? Tout à fait. Alors c'est gentil Dites-le de en appel de proposer l'ISPR. gratuitement, mais je pense que ça n'aura pas la réponse. Ah bah tu vois, Ouais, donc voilà, pourtant, tu on as que vérifie s'il est nul en fait. Ouais, donc je pense qu'il faut que tu modifies un peu ton code. En fait, faut que je le return nul, hein. Je sais pas pourquoi je return Ouais, parce que là nul. du coup tu pouvais potentiellement ajouter des composants qui étaient nuls. Ouais, mais même si c'est pour ton développement personnel, hein, Simus, y a pas de problème avec ça, hein, de se faire les mains sur des trucs qui te plaisent et tout ça. Le truc, c'est que bah, nous, on peut pas vraiment, on peut pas se permettre d'utiliser ton taf gratuit en fait. C'est pas tolérable de notre point de vue. Mais clairement, si à un moment on a des moyens d'une manière ou d'une autre, ce qui risque pas d'arriver d'une certaine manière. Enfin, à moins qu'on perce sur le Twitch game, mais j'y crois pas trop. Là, on n'aurait aucun problème à recourir à tes services, et dans ce cas-là, il y aura rétribution à hauteur du travail fourni, et puis voilà. Est-ce que j'ai fait une connerie? Non. A priori, c'est bon. Et lui, c'est un optional, du coup, il return nul, c'est nul. Ouais, du coup, le nul PTR, il peut se cast en unique PTR, hein. Ouais, Y a pas de ça. problème là-dessus. Il n'y a pas de NLC nul pour lui, quoi. Là, faut juste que je guette en castant un objet pour avoir le truc en fait. Il faut que je Ça fasse après. un button obj.get. Et après t'as un truc qui récupère les. Et c'est base widget descriptor après. Ouais, et du coup ça a retombé dans le load base widget descriptor et tout C'est ça. ça. C'est puissant, hein. Balèze. Parce que normalement c'est ça, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais. Et là tu lui passes la clé. Bien sûr, j'ai été chercher le point, je sais pas du tout ce que je veux. La magie de la science Deux fois de le même Vim, tu fichier. peux regarder deux fois le même fichier, du coup tu peux clairement aller chercher un truc que t'as tout au fond et regarder comment tu fais et C'est réappliquer plus loin. fou. C'est bien pratique ça, franchement, d'avoir deux fois le même fichier. Du coup là t'es en lecture unique normalement. C'est cool. J'aime bien Vim. ouais, du coup par contre faut que je lui dise qu'est-ce que je cherche, c'est ça? Pas de conneries. Oui, tu donnes le nom. Du coup, ce sera le idle disk. Mais optionnel. Comment? Ah. Parce que là, Oui, pour non. le moment, c'est juste le Oui. MDF object, si je dis pas de conneries. Et après, tu le...
appelle load widget object. Et puis... Là, ce sera un optional base widget. Ce qu'on va faire tout de suite en vrai, parce qu'on va en avoir besoin directement après. Oui, du coup, vu que ça saute. Vu que c'est le default pour le reste. Base widget. Descriptor, juste. Idle. Ouais, et du coup, c'est lui le idle desk en fait. Lui, c'est plutôt le idle OBJ en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que. Je vais faire une question. T'as moyen d'inverser les deux fenêtres parce que là, du coup, t'es dans le chat. Ah mon dieu! Alors, je sais pas exactement si je peux décaler la fenêtre de gauche. Avec Vim, c'est que vu que tout le monde galère, toujours une question qui répond à ton problème. Tu cherches deux secondes sur internet et il y a quelqu'un qui fait ah oui, je connais ça, c'est ça. Ça me rappelle les heures où j'ai du LaTeX. Oula, ah, le LaTeX aussi. C'est t'as toujours un truc hyper pointu, mais 90% du temps tu trouves la réponse exacte à ce que tu veux. Ouais, il y a toujours quelqu'un qui est passé par là qui a essayé le même truc quoi. C'est beau les internets. Par contre, s'il est nul, là c'est la panique. Faut que tu retournes nul. PTR. Donc là c'est un LC nul parce que c'est. Ouais. Optional. Dans ce cas-là. Ce qui est bien, c'est vu que je fous des warns partout. S'il y a un truc qui pète, je vais avoir 5 lignes de. Oh mon dieu, j'ai pas réussi à faire ça, j'ai pas réussi à faire ça, j'ai pas réussi à faire ça. Mais bon, au moins, on aura du log. Ça va être chiant parce qu'il va falloir refaire tout pareil en acceptant le fait que ça existe pas. Du coup ça va pas être tout à fait pareil parce que du coup on va plutôt faire un truc du genre si on a le selected name et que c'est bel et bien un object. J'étais perdu. OBJ, j'ai dit. Non, c'est GetRHS. Stock la valeur quelque part en fait. Il y a des pointeurs des pointeurs qui sont non nullables. Enfin non bah non parce qu'il y a besoin d'être nul au début. Et merci os 003112 Israel pour le follow. Ça fait plaisir. Ah par contre la notif sur le Twitch est pas ouf. Pourquoi ? J'avais marqué le pseudo, is now, et puis rien derrière. Ah, c'est cassé tu veux dire ? Et peut-être un peu cassé. Mais probablement parce qu'on a tellement peu de follow. je regarderai après. Surtout en live, ça fait ça souvent. Non pas bien mesuré, c'est tout. Ouais c'est ça, c'est qu'elle a pas la bonne taille. C'est qu'elle a pas la bonne taille. De toute façon, lui, c'est compliqué, on le dit tout le temps. Ouais, du coup, je me disais, faut que je stocke la valeur.
Bah avec un pointeur en fait, j'ai pas le choix. Ah, sinon ce que tu peux faire c'est une lambda que t'appelles in place et qui te renvoie le truc. Ouais. Pour pas avoir utilisé de pointeur. Parce qu'en gros ici. Ouais mais même tu vois le NLC optional. Ouais. Je peux pas en faire une copie en fait. Tu peux le move. Attends. Parce que c'est quoi qu'il faut renvoyer à ouais. la fin? Bah tu vois c'est soit je renvoie le nouveau, soit je renvoie Idle Desk tu vois. Ouais. Sauf qu'en fait si je renvoie Idle Desk, ça va faire un autre optional qui va avoir le même objet et il va pas être d'accord. Oui d'ailleurs va tu vas avoir créer une copie de. Tu crées une copie de Idle Desk en fait. Il va falloir que tu le copies. Si je dis pas de bêtises. Parce que dans ton objet là, dans ton base widget component descriptor. T'as 4 dans tous les cas, t'as 4 bases widget ouais, descriptor. C'est 4 différents. Donc. Quoi qu'il arrive, je m'en fous 4 en fait. Ceci dit. Les bases widget descriptor ils sont. Putain. Trop d'onglets. Je sais plus où je les ai foutus. Ici. A priori, non, ça c'est les components. Ils sont ouais. ici. C'est la même chose. Ils sont copiables en fait. Ils sont facilement copiables même. Ouais, ouais mais après c'est les autres versions des. Putain, y a rien dans ce. Dans ce descripteur là. Non. Ah, c'est juste une fonction virtuelle quoi. Escape. Ah, mais ça c'est le component. C'est le component, je regarde pas le bon truc, c'est le component encore une fois. Ça, c'est, ça et ça c'est la même chose en fait. Ah oui. Je suis un connard. Oui, c'est à droite le base widget descriptor. Putain, je suis teubé. Bon, on va dégager ça parce que je vais me refaire avoir. Donc, lui par contre, il a un nom, une screen position, machin et tout ça. Et. C'est copiable, mais ça va être chiant. Il est pas copiable facilement en fait. Parce qu'en plus, parce t'as qu'on le. A pas l'allocateur. Ouais, et en plus, t'as les base widget component descriptor. Qui ouais, eux, non, c'est sont des trucs virtuels, donc si tu veux les copier, faut que tu fasses une méthode virtuelle de copie dedans. On va pas les copier, on va juste loader plusieurs fois le l'idle descriptor. Ah bah oui, tu peux faire ça. Je pense que ce sera plus simple de faire ça. Oui, carrément. Par contre, du coup, il y a quand même le problème de. Ah là là, il faut que j'aille ici. En plus, ce sera le selected desk qui est égal à du coup une lambda magique qui va faire ça au final. Ouais, ah, du coup, moi je pense que tu peux directement le mettre pas en optionnel celui-là. Puisque tu sais que dans tous les cas tu retombes sur quelque chose de valide normalement. Ouais. Moi je les ai pris en RHS. Je les ai pris en RHS. Je pense ouais. C'est pas grave ça. Bah non. Du coup, il faut que je capture des trucs ou non, je peux juste lui dire de capturer en référence et puis YOLO. Non. Alors moi, je préfère spécifier toutes les variables que je capture pour être sûr de contrôler. Putain, object. Du coup, la référence est à droite. Faut que non. tu spécifies chacun des trucs par une virgule, machin, tout ça. Ouais. C'est à gauche. Du coup, la référence. Les constectors, je pense que t'as pas besoin de spécifier. Normalement, tu peux les copier comme ça. Donc là en fait j'ai juste besoin de sélectionner. Et l'allocateur peut-être. Ah oui l'allocateur. Parce que je disais le nom je pense que t'as pas besoin de le capturer. Ah j'en oui, constate. Oui. Mais le, l'allocateur t'auras besoin. Et je pensais. Donc si on l'a pas on a dit qu'on return load widget. Il faut que je capture ça aussi du coup.
Si ton autre widget il échoue la deuxième fois. Bon, on se fout de ma gueule. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et du coup tu fasses point extract, je dirais. Ouais, j'allais dire faut que je retire, enfin faut que je vire le. Ouais. Et du coup, si ça échoue, demain après t'auras un insert là et puis tu pourras dire qu'est-ce que c'est le fuck. Parce que l'extract il va râler. C'est nul. Et puis surtout que va falloir m'expliquer comment la même fonction voilà. Peut. Ou alors ouais, c'est qu'on a vraiment fait de la merde dans le load widget et qu'on pourrit l'idle object dans le load. Ouais, ça c'est possible. Mais ce serait vraiment très sale de notre part. Faut l'allocator. Allocator. Ah, y'a Simus qui nous a envoyé ses dessins sur Discord. Oh, chambé. Qui sont pas dégueux. C'est sympa. Stylé. Ah, le coup de faire un dessin par jour, ouais, ça doit bien pexer le dessin. C'est une très bonne initiative, ça, je pense. Je pense que ouais, c'est efficace. Bientôt, tu te mets à la 3D. C'est notre paire de manches, ça, putain. Ça fait environ 9 mois que je dessine. Oh, c'est stylé pour 9 mois quand même. Je fais des trucs assez cool. J'avoue. Si on fail le load du widget selected, ouais. On n'est pas obligé de crever. On peut mettre l'idle en default. Ouais. Donc faudra que je retire le else et puis ce sera le ouais, c'est ça, parce que default sorti. Ouais. Ah, du coup, ici, c'est ici où on va du coup récupérer le NLCM. Non, j'ai pas encore récupéré l'objet, je crois. Ouais, t'as un petit chapeau de pied. C'est le petit objet. Je me disais, en fait, cette lambda, tu pourrais... En fait, je peux la réutiliser pour chacun c'est ça. Truc si je lui envoie le nom. Si tu mets le nom en paramètre, ouais. On va faire ça, non? C'est comme ça, comme tu... Bon, à défaut de pas pouvoir itérer sur un tableau, on pourra au moins réutiliser la même lambda. C'est ça. Faudrait que je la mette dans un objet, du coup, je crois. Ouais, voilà. Bah ça tu peux faire autoconst lambda égale ton truc. Ouais. Ouais, du coup ça veut dire que je pourrais pas. Enfin, faut que je retire le début quoi. Du coup, ici par contre, c'est un. Je peux directement balancer. Ouais. Comme ça. Il va pas me péter un câble. Je crois qu'il aime pas trop dans les paramètres ça, mais... Non, ça passe. Mais sinon tu mets un pointeur, ça marchera aussi. Ouais, non, enfin, au pire ce sera un char étoile et puis... Et ça fera exactement le même comportement. Donc là ça va être... widget object... qui est donc égal à... get... Faut que je change au-dessus. Ouais. On a dit qu'on avait appelé ça widget name. Ça c'est le genre de refacto, t'oublies de changer le truc ici et ça marche plus, pourquoi ça marche pas. Pourquoi mon prest il est comme mon selected. C'est marrant. Sinon ça. Encore mieux dans le type de ton paramètre, ton argument, tu peux le mettre en string view. Ça. Clin d'œil. Tu peux caster directement en string view ou va falloir faire des opérations dessus? Non, non, c'est. Et puis t'as l'autre char, c'est automatique. Ce
sera encore mieux comme ça. Widget name, widget name, widget name. Donc là on a trouvé le widget object. De mes logs toujours à copier le même start, c'est un peu débile au bout d'un moment. Tu peux concaténer des trucs dans Warn avec juste en passant des arguments à la suite. Et comme le print. Ouais, le print, le NLC print, pas printf. Ouais. Fail to load. Ça fera du joli warn, ça, c'est bien ça. Parce que du coup je me disais normalement du coup à ce compte là je peux faire un constat. Moi je le mets dès le début et puis pour les crochets la déclaration de la variable. Ah oui, bien vu. Ce serait quand même un peu plus digeste. Merde, j'ai perdu mon curseur. Ce serait un peu plus digeste, un peu moins error prone à force de recopier le même truc. Puis que je le fasse chez les autres aussi, mais un peu la flemme. C'est ainsi que ça ne fut jamais fait. Yeah, t'as pris des chaussettes. Quoi? Non. Ouais. Alors après, donc là on a le default, donc il faut juste que je passe le truc en. Oh là là, Les lambda, ils ont fâcheuse tendance à passer les trucs en copie, en type de retour si tu spécifies pas le type. Du coup, là, de toute façon, la copie ça compilera pas, donc on verra bien. On verra si merde. Tu peux du coup expliciter le type de retour avec Flèche D. Ouais, de la même manière que la déclaration auto des fonctions. C'est ça. Autoconst, du coup, widget loader. Allez hop, incroyable. Donc en fait, maintenant ici, on a juste des bases widget descriptors qu'on va avoir selected desk. Je crois que c'est comme ça que j'avais nommé l'autre. Ouais, c'est ça. Ou là, on va juste appeler la lambda loader avec le selected name. Il te manque un point virgule juste au-dessus pour la lambda. Bien vu. Ici, c'est plus selected, c'est first. Oh, je suis un salaud. Et ici, c'est plus selected,
c'est disable. Magie de la science. On a tout loadé et c'est vachement plus élégant que de faire les uns après les autres. Oui. Par contre, les lambdas à débugger, c'est chiant. Bah non. Bah, je sais pas si, si les débuggers ils le font mieux, mais à un moment ils arrivent pas à break dedans et c'était chiant. Si, si, là maintenant, enfin, j'ai pas eu trop de problèmes dernièrement. Ça se passait bien. Après, peut-être que sur un projet plus petit, il arrive mieux à trouver les scopes de lambda et tout ça. Ce qui est compliqué, c'est si t'es sur la ligne où t'appelles à lambda et t'essayes de rentrer dedans. Là, il galère un peu. Ah ouais, le stepping. Ouais. Mais si tu as un breakpoint dedans ta lambda, ça. Ça. Ah ouais, il est pas chiant. Bon, bah, cool, hein, du coup. Et donc, là, t'en as pas de débugger. Oui, déjà, j'ai pas de débugger, hein. Je sais même pas pourquoi je me plains. Donc, on va mettre unique de. NLC mec. T'es sûr parce que j'ai un autre mec unique ici, il a pas NLC. Hein. Où ça? Ah mon dieu. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh t'as vu autant. Je veux bien mettre NLC devant. Non, mais du... Oh là là, c'est pas dans. C'est pas dans NLC. Ouais, non, pourrais t'en vouloir qu'à toi même. Hein. Et surtout que j'ai pas de using NLC ou quoi, donc je vois pas bien comment ça peut merder. Si, si, il est dans NLC normalement. C'est bizarre ton histoire. Ah là, il y a un NLC mec unique. Avec celui-là qui fait le thug à pas avoir NLC quoi. C'est marrant ça. Marrant, pas compliqué. Ça devrait, ouais, ça devrait pas compliquer cette histoire là, dites-moi. Ça c'est l'allocateur pour juste le mec unique. Et j'ai pas d'allocateur donc c'est directement les paramètres qui vont bien. T'es juste à move tous les. Un move du coup? Ouais. Faut que je les move ou que je les forme? Non, tu les move. Du coup, je fais des doubles moves. Bah, tu move dans le paramètre du constructeur qui après move dans le. Ouais, le c'est fil. Ça, double move. Ouais. Théoriquement, tu peux éviter le move ici en appelant directement Widget Loader dans le constructeur. Mais... Ouais, là je peux pas en fait. Ah, quoi que si, je pourrais directement appeler ouais. Les trois derniers. Je pense qu'à la compile, ça. De toute façon. C'est pas fou en termes de lecture, on va dire. Il y a un triple move, hein, parce que le mec unique il te fait un move, enfin un forward de tous tes arguments dans le constructeur. Donc là, normalement, on peut faire des boutons. Normalement. Est-ce que ça compile? Non. Bien sûr que non, ça ne compile pas. Bien sûr que non. Ah, c'est pas get. C'est pas get. Ah, ou alors c'est ce que j'ai mis MDF kind dans get. Que c'est MDF object. Ah oui. Je sais pas pourquoi dans l'un c'est kind et dans l'autre c'est pas kind mais... Parce que là le get il a besoin du type. Parce que c'est un... Ah en oui gros, c'est le type, c'est la classe quoi enfin, c'est la ça. Structure qu'il y a derrière maintenant. Ce qui est un peu traître du coup parce que le kind c'est une énum j'imagine ou un truc. Ouais c'est ça. Du coup là il est toujours pas d'accord parce que call to deleted constructor of const mdef object. Il semble tu que peux pas les conster, en fait, le get mdef object il te rend pour un pointeur. Du coup tu peux pas le conster. Ou alors c'est un const ref. Et du coup comme tu fais un const paref toi il essaye de le copier.
Attends, je vais regarder. Bah c'est marrant parce que juste à côté j'ai un auto const pareil get, mais vu que c'est pas un objet, peut-être que ça marche. Non, c'est ce que je récupère un element dans l'objet. Ouais. T'as pas un autre get de MTF objet quelque part? Pareil. Donc, de toute façon, c'est get. Non, c'est MDF. Object. Ah ouais, j'en ai que deux. Alors. Excellent. Object. Ah. Un panneau wrap. Ouais, c'est probablement parce qu'il expecte un const ref du coup. Parce qu'il a l'air de dire que la copie est interdite donc. Mais c'est sans. C'est ça, c'est, ouais, c'est un constref, ouais. Je confirme. C'est parce que du coup, il voulait pas. Il voulait pas copier. Eh oui. Donc là, déjà, on a moins d'erreurs. C'est quoi? C'est loadWidgetObject qui n'est pas d'accord. Il est pas d'accord parce que j'ai dû oublier des arguments. T'as oublié l'allocateur, je pense. Ouais, sûrement. Ah, c'est ici. Ah, c'est carrément ouais. Ici où j'ai oublié de. Locator. Après, je vais attendre l'extrait, c'est mieux. Et là, il n'est pas d'accord parce que ouais. Cannot be explicit capture. Ah, il faut que tu captures le warning header. J'ai dit des mensonges. Ah, donc les constexpr au final. Ouais. Ça, ça dépend du compilateur, c'est chiant. Ah. Si tu le mets en statique, tu vois, par exemple, je suis sûr que t'as pas besoin de le capturer. On va pas essayer. Use an undefined button widget comp descriptor. Parce que je vais pas ajouter l'include, ça, bien sûr. Avec le CPP, mais moi je vais le CPP widget, par la mode dit. Ce serait bien assez. Oh mon dieu, c'est tout pété! Alors. No matching constructeur, mais unité, c'est fort. Unique pointer. Ça, c'est la. C'est le constructeur du button widget component descriptor qui aime ouais, pas. Tu peux décaler un tout petit peu ta fenêtre sur la gauche, s'il te plaît, parce qu'elle est à moitié sur le chat là. Ça me perturbe. Merci. C'est Make Unique. Après, il y en a un qui est optionnel dans le tas. C'est ça qui marche pas, je pense. De quoi? La deuxième ligne là, il te dit une instantiation of function template spécialisation. Tac tac tac. Et le premier, tu lui passes un optionnel lui passer le base widget descriptor. Ah. Je pense que c'est ça. C'est ma faute. Pardon. Pardon. Du coup, lui, peut-être que j'ai pas besoin de le move si je l'extract in place. Bah, extract, le extract, ça fait un move justement. Ouais, du coup, j'ai pas besoin de le remove derrière. Non. D'accord. Parce que ça te renvoie déjà une RHS. Une R value, pardon. Une RHS. Voilà, ça compile. Et c'est voilà. Beau ça. Donc, normalement, maintenant, si on va dans le main menu. Et nous, je qu'on lui dit. Je sais quoi, on fait les components. Alors, children, donc là on a fait. Ouais, donc c'est ici le component en fait, on devrait lui dire c'est plus un text component. Enfin, on va pas faire ça parce que ça va être chiant sinon. Ici c'est un button component. Qui va prendre donc en idle. C'est idle widget le truc que j'ai donné, c'est ça?
crois que c'est... Ouais, c'est ça. Idle widget, selected widget, press widget. Idle widget, c'est égal à... ça. Bon alors par contre... Non, c'est bien, en fait, si on avait deux comme ça. Est-ce que je peux juste faire ça par contre? Parce que sinon, ça va pas être très visible, je pense. Même comme ça, je suis pas sûr que ce soit très visible. Ouais. Oh, ça a bien marché, ça, tu vois. Une virgule, la parenthèse fermante. Ligne 29. Comment? Ligne 29, il te faudra une virgule. Ouais, ouais. Ici, là. Normalement, si je prends ça. Non, pas là. C'est pas là. En dessous. Là. Mais là, il va m'en falloir une quand même, non? Non, peut-être pas. C'est un objet, c'est pas un tableau, du coup. Tu peux mettre les différents champs, c'est acceptable. Y'a pas de virgule. Tac. 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 Donc là ici on a selected. Le prest. Et le disable. Bah le disable on s'en fout. Typiquement le genre de cas où on s'en fout du disable. Ouais. Donc on va pas mettre de disable. Voilà. Ah, comme ça tu testes un peu tout. Donc ça. Font size selected, on va mettre c'est du RGB j'imagine, donc ce sera rouge quand il sera sélectionné. Et lui quand il est prest, on va réduire sa typo de moitié, comme ça on aura un effet de profondeur. Black. Ça va presque être stylé. Presque. Parce qu'il faut pas déconner quand même. Après en vrai on va faire pareil pour l'exit parce que c'est un bouton aussi. Donc, tout de suite, ça densifie un peu la définition. Ouais. Vous avez des color chain ou pas pour. Pour faire honte aux couleurs? Bah, pour le MDF en fait. Parce que tu vois, genre là, si on pouvait définir, genre ça, component en fait, c'est un type particulier et du coup, avoir une couleur pour les variables, pour ce truc là. Non, on n'a pas fait de. Chose pour la coloration syntaxe. En vrai, là tu regardes, c'est simple, mais déjà ouais. Là en vrai c'est lourd à lire en fait. Parce que c'est du noir et blanc, je pense. Complètement. J'étais chaud pour en faire. Bah ouais, mais du coup je regarderai. On sera preneur parce que. Après, c'est un peu difficile parce qu'à part mettre genre ce qui est avant à égal en d'une couleur et ce qui est après, bah selon si c'est un tableau ou quoi d'une autre couleur. Tu peux mettre les chiffres d'une couleur, le texte d'une couleur, ce genre de choses. Voilà. Mais tu pourras pas dire, bah voilà, text component, c'est un objet qui existe en CPP, du coup tu le mets d'une couleur spéciale, enfin... Ça, ouais, à moins de te prendre vraiment la tête à genre loader un clang, enfin, un compile commande pour savoir si c'est un objet, machin, tout ça, là tu vas... Ouais, c'est un corset un peu, quoi. Donc là, normalement, si on n'a pas tout merdé... Ouais, que ça crache au lancement. Ouais, ça va probablement cracher, on va pas se mentir. À penser à compiler. Ah oui, non, t'aurais pas besoin. Bah non, c'est que de la data. Alors là, ligne 39 et ligne 63, j'ai oublié des. C'est là où tu m'as dit de mettre une virgule. Ouais. Est-ce que c'est ce que. Ah, j'ai oublié une parenthèse. Je pense que c'est ça qui aime pas. Oui, plutôt. Je t'accuse pas, hein, mais bon. The screen position, best of mine. C'est inquiétant ça. Fail to produce component. Bah oui, du coup, il a pas de start. Ah non, mais en plus, il doit péter un câble parce que c'est pas un texte. Oui, du coup, ouais, ton chargement, tu le changes, mais. C'est bizarre ce truc de. Il te manque la screen position. Screen position, best of mine. Pourtant, on a bien. Ah non!
Pas dans. Non, parce que j'ai mis des components et pas des widgets. Oh là là. Ah oui. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant un peu. Bon, on va pas lui mettre de name et tout ça. Alors, ce qu'ils ont dit, ça avance. Oui, ça avance. On est en train de pouvoir régler des boutons dans le MDF. Dans les data. Ah oui, d'accord, faut que t'enrobes encore plus. Ouais, ça rajoute toute une complexité. Après, là, tu peux utiliser la puissance du MDF pour ne pas tout retaper à chaque fois. Tu vas te faire un template où tu changes juste le texte component dedans. Ah ouais? Ouais. Moi, je veux bien ça. Comment? Alors, du coup. Show me the way. Il faut que tu lui donnes un nom. Genre avant, tout au début, genre, là. Ouais, c'est ça, genre base widget, tu le construis dedans. Et tu lui mets ton screen position et ton size. Donc du coup tu me dis, je mets genre screen position et size. Ouais, mais du coup faudrait que je le fasse base start widget. Ouais. 800, 400. Il supporte les 100 virgules si ça déflotte ou il va péter un câble? Il va péter un câble. Ouais, c'est fortement typé. 55, 25. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc là, comme ça. Tac. Et du coup. Ensuite, le base exit. Qui du coup. Je vais vérifier la syntaxe. Je ne dis pas de bêtises. Là, ton idle widget, tu fais. T'es prêt ou t'as des trucs à faire encore? Non, c'est bon, j'ai fait les deux là. Du coup, idle widget, tu fais idle widget égale base exit widget. Et après, tu peux virer screen position et size et ils seront déjà inclus. Et du coup, ça donne ça quoi. Ouais. Ouais, non, je vais quand même le mettre en dessous parce que ça. Ça me stressait ça. Et en fait tu peux même, si tu vois, si tu comptes changer que la couleur et la font size. Ouais, je peux même faire pareil avec le text component et ouais c'est ça, je me disais, est-ce que tu peux le faire complètement. Ouais non, tu peux pas genre mettre le champ component dans base exit widget parce que après c'est compliqué, tu peux pas dire je vais override que le premier, tu vois, enfin. Et ouais. On peut faire pareil pour le text component. C'est bien compliqué à structurer ces histoires là. Parce qu'en gros ça c'est la parenthèse qui ferme ça. Et ça c'est la parenthèse qui ferme ça. Et j'ai pas fermé le crochet ici. Donc on va voler ça allègrement. Ceci dit, en fait, non, j'ai pas besoin de celle-là. Parce qu'elle est fermée plus bas, celle-là, normalement. Elle est fermée là. Oui, oui. J'ai juste besoin de ça. Oh mon dieu! C'est passé un truc chelou là. Je crois que j'ai niqué le carré de return. Ah mais du coup là j'ai recollé le même truc qu'avant. Super. Voilà.
Crest, on a dit, il est à 10. Lui, il est rouge. Et on va recopier ça et puis mettre ça dans le start. Après, du coup, je me pose un peu la question de, bah, potentiellement, on va peut-être accepter le fait que des widgets aient pas de position et de size, en fait. Ouais. S'ils sont... En fait, enfin, s'ils en ont pas, c'est inhérent du parent, quoi. Ils prennent ceux du parent, ouais. C'est chiant, lui. Si ton parent regarde pas. Mais... Si t'as aucun parent qui a... T'as forcément un parent, t'as la route. C'est juste que du coup, bah, ta taille, c'est tout l'écran. Ça va. Donc c'est pas complètement débile, tu vois. Mais ouais, ouais. C'est pas ce qu'on avait prévu de base, quoi. Mais du coup, ça veut dire que si tu vas accéder après à les positions et size. Non, tu remontes. Qu'est-ce que j'ai cassé? Unexpected token. Est-ce que c'est ce que j'ai pas mis de... C'est obligé d'avoir une virgule à la fin ou pas? Non, non. Donc, text component, expected token. Alors là-dedans, on est donc dans le base widget. Donc, est-ce que c'est parce qu'on a, on utilise le template là? Non, parce que tu vois, component, il dit rien. C'est un text component qui dit rien. Qui râle. Ah oui, ouais. Là, on a ah, parce que component, c'est un tableau. Non, je pense qu'il faut que tu enlèves le égal, tout simplement. Ah, quoique dans les autres tu l'as mis. Bah c'est toujours comme ça que j'ai fait je crois. Mmh. Ça se voit juste où tu l'as, il y a pour ouais, une porte. Voilà. Mais il était dans une parenthèse. Ah ça doit être ça, il doit manquer la parenthèse ouais. Autour de l'objet. C'est ça. Ça va être partout pareil. Faut que je vois s'il y a moyen de faire des trucs. Un peu comme un clamp format où il dit oh là là. Enfin, au moins il y a un truc qui te fasse oh là là, il te faut des parenthèses ici ou des trucs comme ça. Mmh. Parce que c'est vrai que sans ça, tu te manges des murs en fait et puis t'es là, tu... Qu'est-ce que j'ai fait de mal. Après, je sais pas, il y a une nouvelle version qui est censée arriver aussi. Donc ça... Ouais, c'est pour ça qu'on fait pas trop de. On a pas mis trop d'efforts sur le tooling de ce côté-là quoi. 59. Ah. Toi déjà c'est qu'à certains endroits donc c'est rassurant. Ouais. Il y a peut-être une parenthèse en trop du coup. Ouais, probablement. Si tu remontes. Ouais. Non. Alors attends. Ça va loin ça. Ça c'est pas normal ça. Ouais. T'as pas tes parenthèses en trop là, la ligne d'au-dessus. En fait, c'est surtout que là, ça se ferme ici et. En fait, ici, ça ferme l'objet. Ça ferme le button. Ouais, ok. Le button, donc pourquoi pas. Par contre, eux au-dessus, ils doivent être too much, non? Ouais, en fait, il y en avait deux de trop ici et ici. Comme ça il ferme ça et ça c'est le c'était la virgule d'accord okay. Donc en fait ici il doit y avoir le même problème donc en fait ceux là sont pas en trop c'est ici on a un en trop et ici on a un en trop et là normalement si on revient dessus on ferme le button et on ferme le ouais ça a l'air bon. Oh putain salon oh là 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 oh là 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 terrible. Terrible! Par contre, il va râler parce qu'il va pas plus trouver le start et exit. Ah, il segfault carrément. Ah, d'accord. C'est nouveau ça. C'est nouveau. Il a segfault donc au moment de l'ouverture. Regarde déjà si ton chargement se passe bien. Si t'arrives à faire tout le chargement du bouton. Alors, ici on a la route. On crée l'instance. Le route
container. Assert message no route. Donc ça c'est bon, on a la route. Après on charge le flow contrôleur, donc c'est un LC print hein, c'est ça. C'est beau ça, même sur 3 mots j'arrive à pas avoir la même dent. Putain, il vient de loin lui. Ouais, c'est ce que je suis en train de calculer. Ah, c'est là. Techniquement, il aurait pété un câble bien avant ça en fait. Si... Parce que normalement, le loading il est déjà fait en fait. Ouais, je me l'ai en train de se faire. Parce que de toute façon, l'affichage du deck et tout ça. On est sur le pré-init, donc c'est l'init qui merde. L'init du flow. Je sais pas. Alors ça c'est le main menu contrôleur. C'est peut-être l'endroit où tu instancies les boutons du coup. Alors l'init de toute façon on fait quoi? On fait un set descriptor de toutes les pages. Ensuite on lui fait le set menu, du coup il va faire le make menu. Donc à mon avis c'est... Oh c'est ça, c'est le make menu, c'est le moment je pense qu'il crée les boutons. Bah ce qui est marrant parce qu'avant il avait asserté et là il sec fault. Ouais. Alors c'est bizarre quand même, c'est pas... Donc ça veut dire que... aussi au tout début de la fonction vérifier que t'as ouais, c'est ce que j'allais faire mais c'était le point qui m'intéressait qui me rendait un peu suspect ça c'est que tout à l'heure il avait pété ici. Ouais. En sachant que ça c'est du code qui va finir par dégager en fait parce que ben ça va être la responsabilité du contrôleur en fait de gérer qu'est-ce qui est affiché. Du debug pour le plaisir. Ah si j'avais un debugger pré-find, peto find. Donc find. En fait c'est dans le find component in widget où il doit exploser. À mon avis il y a des problèmes, je pense, avec des moves. Il y a des trucs qui se mouvent pas bien. Où est-ce que j'avais foutu ça? Le find? Je sais pas qu'il y a des sec faults, c'est des trucs qui se mouvent pas bien. Non, merde, fuck. Qu'est-ce qu'il fabrique? Oh non. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Build clang. Putain, il y a
fait un B en plein milieu. C'est cadeau. C'est vraiment de la merde. Ça. Et du coup, là, il arrive pas à le trouver. Ah, exaspérant. But clang, compte de commande. Commande à jour, peut-être qu'il arrivera mieux à trouver le fichier en question. Peut-être. C'est de la merde ce truc. C'est de la merde Windows. Du coup, je sais pas où je l'ai foutu. Mais on a les listes des headers donc. J'aurais foutu dans un des trucs ici. Ah, il est là. T'avais foutu dans le point HPP comme ça. Ah. T'as peut-être un composant qui est nul PTR et qui se retrouve dans les media de components. Comment ce serait possible? Bonne question, mais ça vaut le coup de faire un print ici ou un assert. Assert message. On est d'accord que l'assert c'est ce que t'attends comme comportement. Enfin, ouais. Genre je veux qu'il soit pas nul et s'il fail il va mettre le message. Ça. Ouais, par contre je pense qu'il faut que tu mettes différents gueules à nul PTR. Je pense pas qu'on ait fait le. Faut que j'explicite un peu. Convertisseur en boulien. Ah mais c'est. Bah non, il peut pas être nul PTR. Attends. Bah si, il peut être nul PTR. Bah il devrait pas. Invalide, pardon. Ah c'est parce que c'est un unique PTR et Ouais. Et du coup il n'y a pas de différente de nul PTR? Normalement si. C'est compliqué. Juste you complete me qui fait n'importe quoi. Je pense. Ah non. Serait pas con. Attends, de quoi l'opérateur binaire il serait pas const? Regarde. Ce serait grossier quand même. Il est pas const. Ce serait grossier disons que. Est-ce que je peux faire au moins un get value ou un truc comme ça dessus? Que je regarde. C'est dans quoi? C'est dans dialect? Non, c'est dans fondamental. Ouais. Oui, tu peux faire le get. Tu peux faire point get. Différent égal de nul PTR. Mais allez, je vais fixer ça. Moi qui l'ai fait en plus. Ah, c'est toi qui l'as fait en plus. Bah bravo. Eh bien. Oh. Merci os 003112 8raids qui vient de nous follow. C'est marrant, t'as un nom vachement proche de os 00312 Israel. Ouais. Donc suspicious behavior. Du coup tu me disais il y a un get dessus hein, c'est ça. Je vois même pas l'opérateur boolean en fait. Il n'y a pas d'opérateur boolean. Il y a des comparaisons avec il y a un opérateur égal égal. Ah oui, l'opérateur égal. Peut-être en effet qui est pas const. Ouais. Ouais, du coup, il n'y a pas d'opérateur booléen justement en fait. Non, mais c'est pour ça que tu peux pas faire juste comp. Ce qui est dommage, pourquoi il n'y a pas d'opérateur booléen? C'est voulu moins. Ou ce disons que je voyais pas l'intérêt de le rajouter mais bah pour ça typiquement moi je suis pas fan de ce genre de test en fait mais on n'a pas discuté. Ah ouais non mais je comprends que tu sois pas fan mais c'est vrai que quand t'es sur le coup t'es un peu en mode genre enfin, c'est bizarre quand même. Mais c'est vrai qu'après après c'est pas le truc qui arrive le plus souvent mais... enfin ça dépend après tu vois. Donc il y a un widget qui est nul PTR donc ça faut voir au loading je pense. Justement, on a remplacé les trucs par des nuls PTR.
Ouais, mais normalement quand il était nul, il se rajoutait pas. Ouais, ce qu'on avait dit. Attends, il se rajoutait pas ou il loguait une erreur? Il y avait une erreur et. Il se rajoutait pas. Et return. Par contre, il fait un component.get. Attends. Oui, parce que c'est nul. C'est un. Loader, c'est une fonction qui renvoie un unique PTR. Ouais, du coup, il fait le get pour le unique PTR. Ouais, je pense qu'à l'époque où on a fait ça, il y avait pas le. J'avais pas encore fait les tests. Rajouter le truc pour faire directement égal le unique PTR. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un move qui soit mal écrit? C'est carrément possible, tu connais ma capacité à faire des moves ratés. Ouais. Est-ce qu'on pourrait. Ou alors que tu le moves en dehors de. Que le truc il soit move en dehors de. Le component. Ça me paraît moins probable. C'est pareil, le assert message, je peux concaténer. Ouais. Nom, un peu plus explicite dans où est-ce qu'on cherche. Ça marche pas. Il est pas d'accord. Tac. Ah, c'est ce que c'est. Il veut pas envoyer la string, c'est ça. Moi, c'est string. C'est Esther, hein, c'est ça. Ouais. Ah, d'accord. Je sais pas s'il y a des gens qui ont un jour mis une fonction qui s'appelait cstring vraiment propre, mais ce serait moche. Après, j'imagine que c'est le start button parce que c'est le premier. Où... Oui, je pense. Component. Button component. Donc, en gros, ce qui se passerait, c'est que. Dans le load button, à un moment, on returnerait nul silencieusement. De toute façon en fait enfin... Ah ou alors c'est le button qui aurait genre un move qui se serait qui n'existerait pas. Après il y a un move derrière ouais. Parce qu'il n'y a pas de. Il est pas censé être move lui. Après il n'y en a aucun qui a vraiment de. Parce que peut-être que c'est que quelque chose est dans le vecteur de components et il est move de là. Ce qui du coup fait qu'il reste celui qui reste dedans il est nul. Dans le vecteur de component, du coup, on bouffe dedans. Excuse-moi, je. Tu m'as perdu. Genre en gros, le loading se passerait bien. Mais après le loading, il y a un moment ou un autre, quand on le mettrait dans la hiérarchie, par exemple, le component serait move et du coup. Par du exemple. Coup, on aurait plus de. Ah, attends. Parce que déjà en fait là on parle de widget donc en fait c'est pas le descriptor c'est le c'est ici en fait bah oui non mais c'est ça. Ah bah oui j'avais oublié qu'on n'avait pas fait le create instance. Ah oui du coup ça fait nul ça. Forcément il est là le nul hein. Au final il y a un nul typiquement. Merci Judge Judy Slayer pour le follow. Alors, après, je viens juste au moment de ma déchéance sur le fait que j'ai oublié de faire une fonction. C'est du propre. Donc, du coup, ça, le mec, au final, c'est juste pour pouvoir créer le widget button component.
C'est ça, je crois. Faut que je regarde ce que l'autre mec fait. Enfin, en gros, faut que tu fasses des instances de chaque descripteur. Ouais, c'est ça. En sachant que lui, du coup, j'avais dit que je le passais directement dans la construction. Ou pas. Non, je passe pas dans la construction, faut que je le feed en fait. Ouais, c'est ça. Donc, ici, on va faire comme l'ut, à savoir le mec unique. On va un peu allègrement s'inspirer de ça. Sachant qu'on pourra itérer sur rien du tout, donc ça va vite être vu. Question qui va être vite répondue. Button widget component, alloc, this, oui, c'est bien. Ce n'est pas un container, c'est un button. Oui, button. Button. Alors là, voilà. Et là, à ce moment-là, du coup, faut que je réserve pour pas. T'as pas besoin de réserve en fait, c'est non. un stack buffer. C'est ça. Donc là, par contre, il faut que je fasse. Le stack buffer, il va être initialisé par le constructeur, et ensuite, il faut que tu le remplisses en créant des instances. J'ai juste à le remplir de status widget crochet. Ça, par contre, c'est malheureux, je suis pas dans le bon namespace. En plus, il va falloir que je le static cast, voilà. N'est-ce pas? Parce qu'on a essayé le plus. Hein. On a essayé le plus, ça ne s'est pas bien passé. Du coup, là, par contre, c'est idle widget. Vin diesel widget. Idle widget. Create instance. Alloc. Ça c'est bon normalement, on est d'accord. Ensuite, idle en press, en selected. Ah, ça c'est cool ça. Je vais pouvoir copier-coller comme un sac. Ouais, hop, ça marche. Ah bah oui, je vais pas copier le bon. Oh là, je suis nul. Et là normalement, donc on a tout ce qu'il nous faut. Si je dis pas de bêtises. Oh, ouais. Il faut que je compile quand même. Ou bien S à status widget. Ouais. Le sens venir. C'est ça de mettre des S quand c'est des arrêts, des listes. On les oublie et puis après ça marche plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais c'est un unique PTR et puis je fais un point dessus. Oui. Bien sûr. Non mais un jour je serai codé en vrai. Ce jour on n'est pas arrivé. Avec un peu d'entraînement ça finira par rentrer. Putain. On est presque. Ouais mais parce que... Putain. Je suis dans le génie moi aujourd'hui. Ah oui, t'as mis 2 points en plus. Cadeau. Ah ouais, non, mais d'accord. Ah ouais, j'avais même pas vu, tu vois. J'avais même pas vu le 2 points too early. Ouais, c'est ce qu'en fait, normalement, ici. Tac. J'ai. Status. Ah, d'accord. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais. J'ai bien bugué dans mon cerveau. Et ça compile là. On va peut-être laisser la cert quand même. Parce que ça avoir le mal, nom du widget dans lequel ça pète, c'est sympa quand même. Par contre, il te manquait un espace. Ouais, je reviendrai dessus. Ça marche toujours pas en fait. Ah non, maintenant c'est le mec menu qui fait oh là là, il n'y a pas de texte dans le. Je trouve pas, ouais. Parce que... ce qui est vrai. Ce qui est normal.
Quoique normalement il y a un texte, mais il est en profondeur donc je crois pas que le truc fonctionne là-dessus. J'ai pas dû faire un truc récursif. Il y a pas. Non, je vais rajouter l'espace tant que j'y suis. Il est bien cet assert, hein. On va le garder, il est bien. Il est gentil. Donc ça c'est bon. On va virer un peu le merdier qu'on a mis encore une fois. Du coup c'était ici je crois, on avait rajouté. Et là c'est ce que. Ouais, j'ai un peu envie de dégager tout ça en fait. Oui, du coup, vu que tu vas changer les couleurs et compagnie, plus besoin de mettre le préfixe. Ouais, déjà en fait, tout ce qui est cette partie-là, ça ne sert plus. Et en gros, ici, ce qu'on va chercher, c'est plus des text widgets, mais des buttons. Widget component. Start. Ah ouais, mais j'avais déjà marqué des buttons dedans. Ouais. Je suis un traître. Hein. Je me fais un peu chier pour rien quand même. Voilà. Qu'on arrête un peu. No button et une start button. Ouais, en fait, beaucoup je les ai renommés. Ils s'appelaient widget, c'était bien. Mais bon. Maintenant qu'ils sont là, en vrai. Ah non, je vais pas faire ça. J'aurais pu, mais ça avait l'air risqué quand même dans l'idée. Remplacer widget en button, c'est un peu à tout niquer un peu. Du coup, c'est plus le même type. Non, ça reste des bases widgets. Ça, par contre, c'est véridique. Par contre, dans le find, t'as pas mis le, t'as pas le bon type. Ouais. Ah non, en fait. Ah oui, d'accord, ouais, non, en fait, tout ça, ça sert plus à rien. Parce qu'en fait, on les récupérait pour changer le texte. Ah. Mais en sachant que... Qu'est-ce qu'on faisait avec les... On refaisait un find component. Ah ouais, c'est plus là que ça va être quoi. Cool. Là, c'est pour changer en fait, le texte. Ici, là, ça sert plus à rien en fait. Parce qu'en gros, ici je crois qu'on utilise le nom ou un truc comme ça. On va chercher start et exit button en fait. Ouais, d'accord. Ce qui fait que du coup, en gros. C'est plutôt ici, on va remplacer genre. Texte par button. Si on a un bouton, le bouton c'est comment je l'ai appelé, status du coup, en sachant que encore une fois on n'est pas censé faire ça, c'est le contrôleur du bouton, ouais. Du bouton qui va devoir s'en occuper, mais oh, il a pas de status en fait. Ah ouais, là tu sais pas lequel t'as. Il a pas de statut, sauf qu'il va en avoir besoin d'un en fait. Ouais. Voilà. De toute façon, ça vient pas de la définition, on va dire. Du coup là c'est quoi, c'est on l'a currently selected, donc selected. Ah, ça là on rajoutait la string dessus. Ouais, c'est ça.
Non, je suis pas sûr. Là, je crois qu'on retirait. Non? Ouais, on retirait le statut de Selected. Donc là, en fait, on revient en idle. Oui, c'est ça. Ouais. Comme quoi, les textes, c'est pas explicite. ça, et en gros, là, bah, du coup, on va pouvoir prendre ça allègrement. Et ici, du coup, si on a un client qui est selected, du coup, lui, il est en prest. Non, pas en prest, en selected, on a dit. Ouais. Selected, prest action, là, par contre. Ah merde. Ouais, du coup, on envoie direct. Bon, en fait, on peut quand même faire un truc. Ça va pas être joli. C'est prest du coup le... Ouais. Ou juste press. Ah, press je pense. C'est ta question. Je sais pas, je vais bien voir. Donc ici c'est... Prest. Et là du coup... Repasse selected. Ok, moi bon, déjà en fait ça simplifie pas mal le merdier à l'air de rien. Mais par contre je sais plus si on avait fait le rendu. Le render, je crois pas qu'on l'ait fait, ouais. Bah non, non, bah non, non, je suis con. On peut faire. On peut faire comment qu'on peut faire? Accéder directement au tableau avec le bon truc. Ouais. C'est du coup status widget et status et le render. Donc status button widget, on n'est pas dans la classe. Point status widget crochet static. 8, 9, oui bien sûr. Putain, widget de status. Je suis là pour render. Current status. Current status? Je l'ai appelé current status? Oui, parce que c'est le type déjà status. Je me suis perdu là. Current status. Bon, il va falloir que j'aille changer l'autre, je crois, parce que j'ai mis. Je l'envoie position. Faut que j'envoie position. Ah non, non. Et rien du position. Tout, non, c'est. J'ai la position, je pense. Non, en fait, faut que je fasse un render de ça en fait. Ouais, parce qu'il a pas, il a pas la méthode. Faut que je fasse un render de ça. Ce qui fait que d'ailleurs il faudrait que je change un peu parce que la méthode render elle prend pas de position alors que en fait bah typiquement faut qu'elle puisse hériter de la position qui était au-dessus machin tout ça. C'est pas encore parfait cette histoire. Du coup c'était où que j'étais? C'était dans le... lui ici, là, status. Status. Bon là ça va encore exploser de partout je pense. Yeah. Ah c'est parce que je l'ai pas inclus ça. De toute façon, texte, on n'en a plus besoin. Eh, pas mal. Oh là là.
C'est juste parce que il a plus besoin de ça. Ouais. Ah oui, j'ai vu passer tout à l'heure. Ouais, j'y ai pensé, puis j'ai oublié. Eh, franchement, pas mal, hein, cette compile. La refacto des enfers en 2 secondes chrono. Par contre, ça a explosé de partout. Si ça marche, je suis quand même assez impressionné. C'était un peu fait à l'arrache, quand même. Eh. Eh. Pas mal. Par contre, le 10, c'est un peu petit quand même. À peine. J'avoue, là, c'était peut-être un peu too much. Genre, si on passe à. Ça suffirait. Ouais, 16. Allez, 16. Par contre, c'est vrai, ouais, c'est moche parce que ça va pas être le centré, quoi. Mais... Coller. Par contre, on va peut-être le laisser en rouge parce que sinon, ça fait bizarre. Ouais. Je tente un truc que je mets pas du rouge rouge pour le prest. Je l'assombris un peu. Non, j'avais pas besoin de compiler. C'est de la data. C'est que de la data. J'ai mis un alpha 0, je crois. J'ai mis un alpha 0 ? Ouais. Dans la dernière couleur là. Est-ce qu'il a eu le temps de charger ? Non, dis-moi que non. On va bien voir. Hein. Je pense que si, hein, parce que t'as déjà le tech. Ah oui. Il avait eu le temps de charger. Mais ça rend pas mal. Ça rend pas mal. Ouais. Bah après, c'est typiquement, tu vois, le truc chiant avec les textes, c'est qu'actuellement, tu vois, ils sont forcément alignés à gauche. Ouais. Ça fait que quand tu réduis, ça réduit pas en centre. Ça réduit sur la gauche. Mais c'est pas mal. Ah merde, je suis retourné dessus. Fuck. Ça fonctionne. C'est pas mal, franchement. Suffira. C'est toujours ça, c'est un peu facile à dire. Mais... Non, parce qu'il faut déjà faire le contrôleur, parce que c'est pas. Ouais. Et là, c'est fait à la. Chaque fois, je me fais avoir, j'arrête sur l'exit. Genre, c'est fait à l'arrache dans le main menu contrôleur qui doit pas s'occuper de ça en vrai. Ouais, tout à fait. Toute la complexité de oh là là, je suis passé de idle, machin, tout ça, ça devrait être l'autre qui s'en occupe, le button controller. Complètement. Il devrait juste lui forward un peu les inputs a priori. Quoique, il y a des actions à faire sur les boutons. Quoique, parce qu'en vrai, là c'est une liste de buttons donc. C'est un peu à lui de dire, bah c'est toi qui es sélectionné maintenant. Bah en fait, si après tu passes aux inputs, t'auras toujours la notion de sélection. Parce que tu comment pouvoir... J'allais dire que t'auras plus la notion de sélectionner après parce que ça sera juste à la souris, mais en fait. Bah t'as quand même le hover en fait. Ouais. Le hover c'est le selected à la souris quoi. Oui. En fait, il y a juste ça qui sera refacto. Je voulais dire que l'état de chaque bouton était un peu indépendant. Mais peut-être si tu veux conserver de la navigation clavier, faut quand même que t'aies un truc. Merci, os 003112 rigueur du follow. C'est vraiment suspect. C'est marrant, t'as un nom vachement proche de, de deux mecs qui ont follow il y a 20 minutes et une heure. Mais ouais, après, en vrai, il y a surtout le process action qui sera vraiment de la responsabilité du contrôleur de bouton, je pense. Là, oui, c'est lui qui va changer l'état interne, quoi. Et le fait de dire, bah en fait, quand t'es actionné, je veux que tu fasses ça. Et encore, je me pose un peu la question de. Bah si, faut que tu mets dans le bouton contrôleur, parce que comme ça tu pourras t'en servir autre part que dans le menu. Ouais, non, je veux dire, faut qu'on puisse... En fait, faut qu'on puisse dire, quand j'appuie sur ce bouton-là, ça fait ça. Mmh. Mais après, le... En fait, le truc de... ouais, ce bouton est sélectionné, ce bouton est appuyé, machin et tout ça...
Bon, en fait, le bouton, il peut pas vraiment le savoir lui-même, quoi. Faut qu'on lui dise, quoi. Oui, mais c'est le contrôleur qui va lui dire. Le contrôleur de bouton. Tu vois, il gère automatiquement, par exemple, les trucs de... Pour la souris, tu vois. La souris, il faut qu'il soit indépendant. Ouais, ouais, je vois. Ouais, en fait, faut que dans le process action du button contrôleur, on fasse, ah, si j'étais sélectionné, je passe en prest. Mm. Et en release, bah, si j'étais en prest, je repasse en selected. C'est ça. Et après, bah, pour les inputs souris, ce sera la même fonction, a priori, pour le click. Et il y aura ici dans le process input où il faudra qu'on rajoute un truc de bah, démerde-toi pour process les inputs souris. Genre, s'il y a une souris qui passe sur toi, bah, dis-le. Ça. Mais pas mal en vrai, grosse progression. Je pense que c'est un. Ouais. On a des jolis boutons maintenant. Puis c'est des vrais boutons quoi, genre ils se comportent comme des boutons. Ça c'est cool. Parce que la petite flèche qui faisait au bas, elle est bien mignonne, mais bon. C'est bien plus beau quand ça fait du texte rouge. Ouais, puis ça change la taille quand t'appuies dessus, tu vois. Là ça marche plus. Non, c'est ce que j'appuyais pas sur la boule. Ouais, là faut que je. Tu vois, c'est ça le problème. De... Si je reste appuyé et que je me déplace, bah, je le sais pas. Ça, c'est pas très jojo. Bah, ça fait. Je sais pas, ça me paraît quoi. Logique, mon comportement. Non ? Bah, je sais pas, parce qu'en fait, tu vois, genre là, si je vais sur exit et que je relâche, ça va quitter. Mais ça, du coup, en fait, le button contrôleur, normalement, il devrait dire bah, je suis plus selected, enfin, je suis plus prest, du coup, je m'en fous du release. Oui. Alors, je passe le release, et puis voilà. Quel cas là, ça marchera comme on le souhaite à peu près, je pense. Okay. Pas mal. Bah, c'est bien, en plus, il est 20h. Ça clôture très bien ce stream. Presque que c'est fait exprès. Ah, franchement, il y avait une maîtrise dans l'exécution là, c'est du jamais vu. Et bien sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée sur ce beau menu avec des couleurs rouges et noires. C'était pas fait exprès, maintenant que je m'en rends compte en le disant, on dirait que c'était fait exprès. Ouais, pas de politique dessus. Pas de politique sur le stream. Et voilà, donc une bonne soirée à vous. La prochaine fois, on continuera dans la lancée. On fera le button contrôleur. Ce qu'on devait faire aujourd'hui, puis en fait, je pète un câble. Je me suis dit que c'était mieux de faire la data. Parce que bah, là, au moins, on voit qu'il se passe des trucs avec le bouton et que la complexité augmente. Et du coup, le contrôleur, en vrai, ce sera plus une formalité maintenant. Enfin, il n'y aura pas grand chose à gérer au final. Ouais. Il y aura juste le binding de fonction qui sera un peu tricky peut-être, mais c'est tout je pense. Mais voilà, bah, une bonne soirée, appétit à ceux qui vont manger. Tout à fait. Et à la prochaine. Prenez soin de vos tulipes.